pas de sécurité dans le pays. Pas de gagner pour nous investir comme lui. Donc déjà, nous ne pouvons pas gagner investissement étranger. Allez, prenez bagarre là, madame, monsieur. Donc, madame, monsieur, si Blanc vient là, lui mettez un sous-protectoire pour que ça soit bon. Pour opposition, mais pour Blanc. Pour Jovenel Moïse, ça bon. Non, parce que nous, tout a perdu. Je dis à là, c'est pas pour ça que je me pose ces questions. À Dieu de nous l'élection parce que c'est quelqu'un du pouvoir. C'est un allié du pouvoir. C'est lui, personnellement, qui a fait le constat que l'État a failli à sa mission. Mais qui dit l'État? Ok, dit tout appareil l'État qui est un chef. Et le chef, c'est le président Jovenel Moïse. Et je dis à madame, monsieur, si opposition, t'es une opposition réelle et tout bon, il t'a pas pouvoir ça déjà dans mes Jovenel Moïse. Et ceci depuis 6, 7, 8 juillet 2018, madame, monsieur. Si c'était une opposition réelle, si c'était une opposition vraie, il n'a pas pouvoir dans le président Jovenel Moïse. Et jusqu'à minute en parlant là, Jovenel Moïse comme président de la République est très en faiblesse. D'ailleurs, écoutez, madame, monsieur, lorsqu'on l'a eu dans l'état ça, bandit a délogé moun la caillou, fait quitter la caillou. Yo de, yo vin des réfugiés dans propre pays yo. Lorsque des zones de nous doit moun pas ka aventure, pas ka traverser zone ta yo. Logo pays situation sécurité a c'est comme ça lié. Logo objectif pour te réaliser référendum ou obligé faire bac plus ou corona là. Écoutez, le président Jovenel Moïse est en faiblesse. Et si opposition te comprend faiblesse président Jovenel Moïse là, il t'a pas organisé pour le pouvoir dans le président Jovenel Moïse. Mais pas oublier en politique, et puis maintenant tout comme ça, très bien. Semaine encore en faiblesse, et puis demain matin, remonte en force. Bien que t'es en époque, opposition t'es en faiblesse, mais bien que opposition ça a, il y a longtemps là, il en faiblesse. Parce que y'a pas grand temps. D'où ça dit que je dis, y'a une intervention militaire pas bon pour personne, même pour l'avenir de ce pays. Parce que écoutez, madame, monsieur, y'a une intervention militaire, ou déjà sous protectorat. D'ailleurs, Binu qui l'a, j'aime bien moun qui mande, qui sa Binu après le pays. Hein? À travers la capitale, eh bien, devant, en face de Matisse 7 là. Nous connaissons à travers la guerre qui t'a fait entre M. Tiboyo avec M. Grand Mignon et Village de Dieu. Mais il faut que nous disions que, et l'homme d'a parlé avec, m'a cherché information. Il faut que nous disions un pile monde qui mourit dans deux cas. Ok. Dans Matisse 4. Dans Matisse 7. Il y a un pile monde selon l'information qui vient sur place. Et moi, je vois un cadavre jusqu'à présent par la parole là. Tête coupée, à dire en l'air poitrine coupée, et cochon a mangé, reste cadavre là. Dans le moment où on a parlé à voilà là, tête chargée. Cochon a mangé, reste cadavre là, en face, Matisse 7. Qui donc, Mounsa, qui mourir, il pas mourir aujourd'hui, il pas mourir hier. Qui donc, ça veut dire que autorité, on l'air de faire la vie, on est déjà. Il passe devant. Il passe devant le cadavre là. Donc, ça veut dire que c'est écœurant. Aujourd'hui, là, la population, on a deux bras balancés. Donc, Jude Edouard Pierre, c'est lui-même qui recevoir à travers America Fou et Moun qui sont si Matisse. Faut nous dire que Moun en pile, non, moi, pas voilà là. Moi, sous place, son Tamara. Okay. Moi, sous place, son Tamara, on prend Moun, et bien, qui avec TDB, qui avec Grand Moun, qui Chita, yo par contre, qui sait pour l'oreille parce que yo pas qu'à rentrer la caille. Okay. Et son Matisse qui vide de net, et pas de tout. Esaïe, tout ce qu'on écrit là, c'est sur route nationale là. Route nationale là. Ou par contre, ça quand dans le corridor, ou par contre, ça quand dans. En dans le corridor, nous pas pénétrer par rapport avec les problèmes qui posent. Parce que en dans le corridor, dans la zone où nous habitons, nous pas pénétrer parce que pour éviter, parce que par contre, qui ça, qui les nègres font représailles. Donc, nous sommes obligés. Alors, il faut me dire que, selon la raison à ce que je viens sur place, monsieur. C'est bien permettre tout. Selon l'information qui me vient sur place, monsieur Village de Dieu, il est passé par la main. Il a attaqué le monde des quatre avec le monde en face et en nous dit des quatre et Matisse 4. Ah bon? Ça veut dire que la marine haïtienne qui lui-même est supposé a fait pas tout sous la mer, monsieur Village de Dieu, il y a une possibilité, il a attaqué le monde. Si la marine haïtienne
t'as fait travail li. Parce que dans le moment où tu es goumé, t'as fait là. C'est que tu es sous marine haïtienne. Pour qui ça marine haïtienne, pas au moins, elle peut te moun sa en secours. Et laisse ça, monsieur, il a des yeux, pas de capacité sous la main pour attaquer mon. Ok, ok. Et le fait. Et c'est là que plus monde qui mourit. Est-ce que ou pas étant bon ou même étant comme ancien policier, est-ce que ou pas ta penser que monsieur Marinho ka penser que nèg bandi yo zami yo rive plus loin, tirer plus loin, donc yo pa vle prendre chance? Bon, ça veut dire que est-ce que c'est le devoir de moi? Parce que normalement on nous dit que ce n'est que 3 jours après ou va la police et va le déployer. Ça veut dire que c'est 3 jours après guerre, après gros goumé, la police va déployer celle là. Et déployer celle là c'est comme si c'est rien n'était, parce que ça va t'empêcher que des hommes armés mais attaquer moun, hein, attaquer moun sur boulevard là. Attaquer moun sur boulevard là. Ça veut dire que c'est 3 jours après, c'est 3 jours après goumé, hein, la police CSPN soi-disant, elle était obligée, elle font faire une démonstration, et par contre, une démonstration, côté premier ministre, directeur général de la police, ministre intérieur, ministre justice, elle m'a fait un tabac chaud. Nous sommes médiatiques. Moi, mon yore de sa promenade, sans promenade, yote, promenade. Ou konon mon yore de sa promenade. C'est le cas de le dire. Parce que nous autres, au niveau de la presse, nous pas qu'à baille. Baille, yote ça. Parce que là, c'était un promenade, yote. De fait, tellement promenade, y en est. Tellement promenade, y en était. Eh bien, faut nous dire que Pierre Maté, là, tout. Jusqu'à présent, pendant ma parole là, moun yo pas qu'entrer la caillou, moun yo la gueule de babalancer, moun yo dans cette sportif là, moun yo dans mon camel là, moun yo dans ce chemin là, yo sous place pour ta maraca en droit. Si monsieur Village de Dieu décide pour venir attaquer moun sa là, c'est aussi facile parce que dans mon moment de parole là, et c'est seulement un PF, ça n'est le profit ça, qui devant voir la chaîne là, qui devant voir la chaîne là, à un certain niveau. Ça veut dire que nous n'avons pas la voilà là, et là lui-même, lui bide, ces machines qui a passé, camion, camionnette, bus a passé là-dedans, avec moto. Donc ça veut dire que nous avons peur. Bon peut enrager, ok, bon psychose de peur de la bon côté de chaque bien monde qui a traversé pour aller la ville. Chaque monde lui a posé la question, est-ce que vous pensez la ville là-bas? Est-ce que vous pensez qu'on passe? Donc et vraiment, l'on paraît, depuis l'on paraît bon Saint-Gontier, comme dire que, ok, Green Boudao, pour que vous montre traverser. Ok, parce que tellement, ou par contre, qui là on est sorti avec un cabaye dans le ou on qui là on est sorti avec un zam dans le main, ou venir tirer dans la route là. Parce que. Et par exemple, commissariat Matissan, libéré bien fermé, mais libéré bien fermé, ça veut dire une vraie policier en uniforme. Ok. La donne, mais tout, nous avons dit que il y a Blendea qui a fait l'avion DD. Il y a Blendea qui a fait l'avion DD. Blendea a fait l'avion DD qui permet à ce que Mounio soit capable de circuler correctement. Donc ça veut dire que nous avons la parole là. Pas de prise, pas de coups de capture, mais la peur s'installe de Fontamara 43 à première avenue. Ça veut dire que la police prend disposition sur ça, mais Mounio pour qu'on capable de retourner la caillou. Nous allons parler avec quelques monde qui sont place là, bien matin à tout. Et s'agissant de situation Mounio à vivre là, donc on n'a pas la voilà là. Mounio avec Simon, Mounio avec le défendant, c'est grand monde qui a des problèmes, grand monde couché sous là, et il y a pas un problème à bien tomber. Donc, madame, comment est-ce comment situation est-vous? Qui va habiter? Ah, Matissa 23. Ça veut dire que nous sommes tous 5 personnes, tout le monde, nous voyons faire un dehors là, nous sommes obligés. Ou est-ce que je dis à la syndicale pour quelque bagaille? Malgré ça, j'ai fermé ou j'ai ouvert. Donc, nous avons essayé d'entrer la caille pour aller prendre bagaille? Oui, nous avons essayé d'entrer la caille pour aller prendre bagaille. Bon, la caille, vous avez une caille qui boule. Est-ce que bon, la caille, vous avez une caille qui boule? Oui, bon, la caille, vous boule. Monsieur attaqué bon la caille, il y a un qui a été boulé. Oui. Est-ce que tu as constaté que nous mourrions beaucoup? Non, je ne pas constaté parce que c'est couru. Couru de couru? Oui, couru. Combien de personnes nous mettons? 7 personnes. Pour travail, Marou. Non, tout en bon, Marou, pour travail. Madame, comment est-ce que la situation est pour vous? La situation va pour moi, Marou, ma crème, tout de suite, Marou, tout de suite. Madame n'a crié, situation difficile. Bien matin à tout, pour qu'elle comprenne. Alors, le tata, le bien matin. Oui, Zami, parle avec moi. Ça passe, pour t'habiter au même. Bonjour, matin débat. Moi, salut, M. Esaïe.
qui font un bon travail, côté que vous avez informé la population haïtienne de ce qui a passé pour Tamara Matissan. Moi-même, je suis John Bertrand Dorsonville, je m'ai habité dans Matissan 19. Mon cher, son un bagage que jamais vu. Un bagage que je n'ai jamais vu. Moi-même, depuis que je m'ai habité dans Matissan, je m'ai habité depuis 2006. Mais quand il y a une guerre, mais après ça, on m'a la caille, tête prête. Mais cette fois-ci, bagala, il est désagréable, il est énervant. Et pas que l'autre monde qui mette dans la situation, ça, c'est parce que l'État n'a pas de responsabilité. Parce que si l'État a de responsabilité, voilà que un bagage qui commence depuis le 1er juin, et mais jusqu'à nos jours, moi-même, capable de faire. Pour s'amuser avec la soupe, avec la soupe, moi avec madame, avec tout, ouais, par exemple, moi avec madame, moi et petite, moi, mon budget était là, puis qu'on aille à chercher de l'autre côté, moi-même, mon budget était sur la table. Situation difficile, voilà que. Mais c'est d'accord, on peut nous remplacer par autorité, communauté internationale, là, qui s'en va exactement? Monsieur Zahir, je suis capable de dire, sincèrement, moi-même, je ne vais pas parler d'autorité parce que pas d'autorité. Si tu es d'autorité, eh bien, nous ne sommes pas dans la situation ça, nous ne sommes pas dans la situation ça, eh bien, je tape de faire. Et vous avez intervenu très rapide, et vous êtes capable de mettre l'ordre dans ce que le monde Matissan a appris là. Et parce qu'il n'y a pas d'autorité, et même pas aucun appel, mal lancé par l'autorité. Mais celle-là, je connais que, nous avons tout l'abjou. Voilà, nous avons tout l'abjou, Pierre Matin, vous avez une question d'apprendre, Pierre Matin. Alors, moi-même, comment nous lever avec Esaïe, c'est l'espoir fait vivre. Bon, est-ce qu'on, ouais, d'ailleurs, c'est week-end, hein? Faut qu'on rappelle mon combien de jours. Combien de jours C'est désespoir qui sous visage chaque monde qui sous place là. C'est désespoir. Regardez le grand monde qui est grand nous, ou un chita, c'est crié à prier. Je me qui c'est pour aller, je me rends qui pour aller. Mais moi-même, je mets des journalistes à ce côté. Pour qu'ils aient ça, on parle de son palais national. Alors, je président Jovenel Moïse. Ah, jeune président Jovenel Moïse, parce que c'est le chef de l'État auquel il y a une mission pour veiller à la bonne marche du pays, à la bonne marche de l'institution. Le samedi d'aujourd'hui, alors, Mounsao, qui l'a gagné deux bras balancés sous la place de Fontamara, après la piscine tombée, ou imaginez-vous, à terre frette. Donc ça veut dire que Mounsao, situation à vivre, si bébé, si Moun qui était pour aller à l'école, jeudi à la, vous m'avez pour fermer l'école, le 11, si Mounsao était exposé à l'école. Donc Mounsao, il a vu une situation tête chargée de matin tout. Moi, je me pose la question, où est passée la communauté internationale qui dit aux ses amis pays d'Haïti, les États-Unis d'Amérique en partie, c'est là que nous passé, Santo Domingo, pays tout près nous là, qu'après maintenant 10 ans, moun sa yo, moun ki gen douan yo, nomé yo, le parti politique, nation politique yo, kap bay moun zam. Et bien, jodi a la, et bien, ça qui est important, c'est que les États-Unis d'Amérique, li en grande partie responsable de situation kap vivre là. Le Canada, la France, pour qui ça, jodi a la, ça sont catastrophes entre tout. Oui. L'on imagine que tout moun sa yo, yo sorti Matissan, yo vide de Kafou. Et Kafou te déjà plein déjà. Le koun ya la, moun Kafou entravé. Et dire que, moun sa yo gen gros problème, yo kite bagay yo la kayo, yo pa gen moyen, pour fonctionner. Yo ou imagine aux jeunes filles li même qui besoin après kilote il va y pa kilote li gen règle li pa gen ça nous relé li pa gen contexte sous. Donc ça veut dire que où on passé, OK, où sont passés les organisations des droits humains, parce que chose là, c'est là l'importance des organisations des droits humains. Nous faisons appel avec eux, je dis à la. Parce que Mounio, sous place Fontamara, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, mais il faut que nous dégagions, nous coumettons des actes. Sinon, monsieur, faites ça nous de faire. Quitter pays, bye pays, on a l'autre chance. Si nous ne sommes pas capables, c'est désister. L'important pour vous dire là, mais c'est pas ce politique. Côté nous, nous-mêmes, vous avez invité à la manifestation. Côté nous, mais population, on a besoin de nous là. Population Fontamara, population Matissan, ils ont besoin de nous là. Ok? Ils ont besoin. Ils ont besoin de tout le monde. Les gens qui ont besoin de pouvoir, ils ont besoin. Et bien, l'élection pour les gens, et bien, d'abord, checker les gens. Je dis à la situation, difficile pour les gens, mal vivre. L'important pour que n'est qu'il n'y ait pas de politique. Moun yon a secteur qui est en fait. Reginald Boulos, Kotoéa, dégageons, voyez visiter moun yon. Monsieur bourgeois, monsieur secteur privé des affaires. Dans la situation moun yon est là, je dis à la,
c'est le moment le plus propice. Ils ont besoin de présence. Tout le monde qui dit qu'il a besoin de pouvoir. Tout le monde qui a le pouvoir. Tout le monde qui a le parti politique. Parce que Mounio, ça moi à vivre là moi-même, c'est écœurant. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Quelques jours après, situation ça se passe là. Quand des nègres tirés, ok, sur des civils armés, sur des civils, ok, qui devraient balancer. Ok. Donc ça veut dire que. Sous la police, je dis à la Mounio la guerre, débat balancé, pour contre, il y a besoin de secours de la communauté internationale, il y a besoin de secours des partis politiques, il y a besoin de secours, monde qui dit à Pierre pouvoir, l'argent pouvoir dans le monde, monsieur. Esaïe, moi, on fait une suggestion, et on dit que c'est pas sous place Fontamara pour Mounio aller, c'est Chouchan Mas. Si on pas un leader, si on pas un leader, pour faire ça. Mounio t'a supposé aller devant Palais National pour au moins pour être président entendre crio. Lui pas possible matin à tout. OK, lui pas possible. À combien millions de monde qui là? À combien millions de monde qui vivent Kafou? Pour le monde Matisse vient mettre à dire mon troisième circonscription. Vient mettre à monde Kafou, ça veut dire que chose là Mounio pour contre. OK, Mounio pour contre faut au moins l'État, par le biais du président de la République, la responsabilité, ok, il a été décrété un état d'urgence sécuritaire. Mm-hmm. Je dis à la fin, ça ne besoin. L'argent qui placé pour question de intelligence, au moins mettez la disposition de Mounio, créez possibilité pour Mounio qui retourner la caillou. Parce que Mounio quitte caillou, il a quitté caillou, vagabond boulet, en plus bas la caillou. Il a besoin de moyens pour fonctionner. Mounio a mal vu, vient matin. Oui, mais il a utilisé l'état d'urgence qui a été décrété pour venir porter Mounio. C'est ça. Pour vous pas utiliser état d'urgence, parce que nous sommes toujours dans le cas de ce cas-là. Ouais. Car état d'urgence est toujours là. Donc ça veut dire que état d'urgence sécuritaire là, il est toujours là. Donc si le président n'a pas voulu pour Mounio descendre par le national, pour aller poser la question, mais que dégager, pour être responsable au niveau des opérations et de la protection civile, faut que. Et le ministre de l'Intérieur, au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a le centre d'opération d'urgence. OK? Le centre d'opération d'urgence, il faut qu'on me réactive lui, de façon à ce qu'on soit capable de répondre à des idées à ta mounsa. Mounio, il y a un problème dans le moment de la parole là. Entre eux. Je parle là, je suis place au Tamara. Oui, oui. Non, ce sportif là, il y a plus passé un million de mounis. Mais c'est simplement de là. Est-ce qu'au niveau Kafou, est-ce que on pas jeune commune Kafoua? Est-ce qu'on pas jeune leader? Est-ce qu'on pas jeune leader? J'ai des mères d'Eli, il y a les sœurs et salésiennes, il y a les pères de mon Carmel et qui viennent au secours monsieur. Hier soir on peut être sur un coup de fil de la part de l'UNICEF qui réunit sa fournée pour qu'il puisse protéger les petits Mounio. L'UNICEF a essayé de porter carbone et de trois matelas pour Mounio, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ou imaginons un moment ça. Combien de jours de blousage ça a pété? Là, c'est dans l'ouest, c'est pas dehors. Depuis le premier boumé a commencé. Vendredi, c'était maman petite marée vente. Elles sont revenues. Ils ont brûlé Kaye Mounio, ils ont tiré Mounio. Elles disent que Mounio a plusieurs souffrances. Cas de corona. Vous imaginez? Bon, Mounio souffrance à la grande pile là de quoi il est cassé. Vous imaginez ça? Mounio va même cassé. Pendant que l'État a décrété état d'urgence sanitaire. Pour qu'il s'en bague un monde au niveau du ministère de la Santé publique. Qui passait là sous place là, qui passait là sous ce cas-là pour porter cache-né par Mounio, porter de l'eau pour Mounio, porter de l'eau pour laver Mounio, porter Clorox, est-ce que vous donc faut qu'on moins porter bagage pour Mounio capable d'organiser. Est-ce que pas gagner un agent ou un responsable d'un ministère intérieur par exemple qui passait l'autre bord? Qui bon ça fait moi? Qui voit ça? Le ministre de l'Intérieur, je sais plein la paix même avec moi. Le ministre de l'Intérieur, Gonzague D, c'est plein la paix même avec moi. Donc ça veut dire que je dis à là, c'est pas question de plaire comme autorité. C'est mettre pied à terre, lâcher votre tout vivre une population. Et vous savez, nous devons voter nous. Donc si vous dites que je dis à là, on est ou du haut autorité, c'est l'État pour faire valoir l'autorité là. Et pas question si vous donnez un bureau, cachez-vous dans un bureau. Alors, man, c'est pas caché pour le bureau, c'est vivre une population. Nous avons une grosse difficulté de matin. Esaïe, donc avant l'émission finie, je pense que si on. Si nous avons fait la première de au niveau de cette sensible de Kafou, on a laissé regarder exactement la situation Mounio, mais un fait clair, c'est que il y a un cadavre, un jeune garçon qui
tout espace en l'air coupé, ok, cochon à manger, m'a demandé pour autorité, dégager, venez chercher cadavre général ça. Sinon, moi-même, m'a déplacé mal le cadavre là, mal mettre par le national. Ils ont eu donc à tout à l'heure. Bon, et nous avons pour nous faire parler avec Yvon Jérôme. Et pour nous connaître comment le week-end a passé pour Kafou, comment le week-end a passé pour citoyen Kafou, paysan Kafou, comment le week-end a passé pour Bounfou Damara, mais le week-end, qui s'est porté, hein, qui s'est porté, parce que gen, quand même, il y a un groupe de monde qui question vraiment, il prend la cœur et puis nuit autour, qui a réfléchi, comment il a porté. Donc ben on coûte pas là on paquet de monde qui besoin dans pays yo qui ben en fait l'argent transport yo pas kayen et pas j'aime assistance nous tendez Isaïe dit nous ça mais nous pas tenir nos seul voix Kafou parce que nous pral quand même parler avec Yvon Jérôme et pour nous connaître qui s'allier José bonjour. Bonjour bien matin et bonjour et toutes les super branchés. En tout cas n'a tourné et allé bom 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 essayer font petit parler là avec Yvon pour garder comment activité dans Kafou. Beaucoup gain Yvon mais de toute façon moi ouais et Saint-Louis du Nord a dit ni qu'après les en pile fois et donc bam Jacques pour assurément en fait Orlando garder ouais qui problème li gain li les mettre fois là. Et pour nous Jacques Police Saint-Louis du Nord après. Alors je dis à moi dit que nous avons une émission, c'est nous-mêmes qui allons évaluer comme d'habitude, et d'autant que nous avons un personnel. Nous ne parlons pas en pile de COVID-19, hein? Nous parlons pas en pile, et zone Afrique, hein? Nous parlons d'entrée, et pour nous garder là avec, on négresse, on femme haïtien. Donc, nous parlons d'entrée, Josué. Oui, alors, et je t'ai dit l'italien, nous saluons tout le monde, et nous avons essayé de faire un petit contact là. Et bien avant, nous rentrons dans l'émission, mais il fait 11h14. Et nous allons d'abord rentrer dans l'éditorial matin. Jeudi, c'est mercredi. Ici, j'en compte le matin, c'est mi-temps semaine. Hein? Nous allons dans l'éditorial le matin qui titre Haïti instabilité. La diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. L'opinion publique admet généralement que les différentes missions de l'Organisation des Nations Unies ont toujours contribué à renforcer le malheur du peuple haïtien. Pourtant, il paraît que l'ONU est encore reçue comme une solution de dernier recours pour sortir le pays du gouffre. Ainsi, la diplomate de formation, Madame Rosemonde Grandchamp Valentin, appelle l'ONU au secours d'Haïti. Dans sa lettre ouverte adressée à l'ONU le 8 juin 2021, Madame Valentin dénonce ce qu'elle appelle le comportement inopérant des membres du gouvernement haïtien et des acteurs politiques qui ne s'accordent pas pour une amélioration de la vie et de la sécurité du peuple haïtien en général. C'est un véritable cri de détresse que la diplomate adresse au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres. Je me sens abattu. Toutes les structures familiales sont détruites. Les parents sont aux abois, massacres, crimes, viols et incendies hurlent diplomatiquement Madame Valentin. Madame Rosemonde Grandchamp Valentin sollicite de l'ONU des efforts plus soutenus afin d'encadrer ce peuple, dit-elle, abandonné à lui-même. Nous, citoyens haïtiens, nous estimons mériter mieux que ce que le gouvernement actuel nous offre. La diaspora est notre fierté, notre industrie nationale. Elle mérite mieux aussi. Donc, membres des Nations Unies, aidez-nous à nous relever car le peuple est accroupi à genoux, martèle-t-elle. La diplomate appelle-t-elle à une intervention militaire de l'ONU? La situation sécuritaire justifie-t-elle déjà le déploiement par l'ONU des contingents militaires pour des opérations de paix en Haïti, Robinson d'Haïti?
Voilà, et c'est l'éditorial de Matin Débat et qui titre matin, la diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. Et justement, et nous gagnons une mission de l'OEA qui souterrain là, qui a chita, hein, chita parlé avec des acteurs qui attendent. Et selon ça qui dit acteur yo sous ça qui yo même c'est yo même ça qui yo même ça pour essayer tendez qui ça acteur yo a dit yo de crise là, mais bien entendu yo au courant déjà parce que OEA gen mission en Haïti yo connaît ça qu'a fait dans pays, yo connaît situation pays d'Haïti, ça qu'a fait à terre là même mieux que en pile haïtien. De ce fait, nous parler faire contact et bien matin avec Robinson d'Haïti avec qui nous parler et commenter vraiment éditorial là matin qui les mêmes fêtes sous et yon lettre ouverte que yon diplomate yon de carrière alors de formation lui-même li écrit à l'ONU pour lui-même capable porter pays d'Haïti ses coups dans moment difficile que nous y journée jodi an. Robinson d'Haïti, comment nous y? Bonjour Matin Débat, bonjour maître Alexidor, bonjour député Pierre Martin à toutes, bonjour à Isaïe César. Bonjour à toute l'équipe technique là, et Orlando, Babas, Henri, bonjour à toutes auditrices, auditeurs, capteurs de nous, et sur Radio Téléclair et sur toutes les plateformes, évidemment, que député Pierre-Martin a tout, toujours fait le plaisir pour citer et saluer. Nous sommes maintenant pour nous, et puis bonjour tout, au côté Lia et M. Louko Désir, que vous entendez, et nous sommes maintenant pour nous commenter éditorial qui titrait Haïti instabilité, la diplomate Rosemonde Grandchamp Valentin frappe aux portes des Nations Unies. L'opinion publique admet généralement que les différentes missions de l'Organisation des États, alors des Nations Unies, ont toujours contribué à renforcer le malheur du peuple haïtien. Pourtant, nous toujours fait appel à qui au besoin d'Haïti. Vous mentionnez ça dans l'éditorial le matin. Certainement, et mettre l'exidor, parce que ça crie, et sous la caillou, mettre l'exidor, on m'a dit frapper partout, il va quand même frapper le programme ici. Il frappe parce qu'il y a besoin. Et je n'ai jamais dit, il y a des filles de monde qui ont parlé, il ne faut pas quitter seulement acteurs politiques qui ont parlé, et bon, femmes qui sont diplomates, évidemment, qui les Rosemonde Grandchamp Valentin, et bien je n'ai jamais dit, il frappe porte Nations Unies pour lui demander le secours, pour lui dire qu'on peuple qui a péri, je n'ai jamais dit, imaginons, regardez sa capette là, Malpuissant et Fontamara, c'est pas tremblement de terre qui flanquait Mouno dehors, c'est gang armée, c'est bandit qui flanquait Mouno dehors, et je n'ajoute à Mouna Maville, hein, Mouna vive dans Serein, Mouna vive dans pile la pluie, la pluie a tombé presque chaque soir, parce que chaque jour la pluie a tombé, et on a sous place publique, on a tout côté, hein, on a investi presque tout côté, c'est pas seulement. Côté, ouais, Isaïe Déa, sous place Fontamara seulement, pas là. Non, pile côté, ils ont gagné tout côté, et à battre Fridu, et à battre la pluie, et à battre soleil, avec des enfants, et des jeunes filles, des timons qui viennent pour aller à l'école, qui ne peuvent pas à l'école, en fait, qui ne peuvent pas continuer l'école, évidemment. Et je veux dire, il y a des gens qui veulent mourir. Et je veux dire, un diplomate, là, heureusement, dans le Grand Saint-Valentin, il frappait n'importe Nations Unies. Mais là, pour moi-même, ça a été intéressé, mon pile, l'indé de l'être-là, parce que l'opinion publique, c'est ça lié, généralement. Parce que j'ai toujours dit, et l'ONU, il renforce malheur du peuple haïtien. Mais je me suis dit, ça, nous y est là, et mettre l'Occident, semblait que l'ONU est toujours perçue, et toujours considérée, évidemment, comme une solution de dernier recours. Pas la dire que celle sacrée qui nous l'a. Parce que nous ne pouvons pas raconter sur la police nationale d'Haïti. Nous ne pouvons pas raconter sur Force Armée d'Haïti. Bon, Force Armée d'Haïti, d'ailleurs, moi-même, j'ai des informations au niveau du monde à près de 80%, sont pas des petits monde qui la donnent. Bon, nous dit petits monde, c'est-à-dire des gens qui ont pris de l'âge. Nous pas dit petits monde, même avec monsieur le ministre de l'Intérieur là, c'est dit petits monde. Mais c'est des petits monde qui prend de l'âge et qui n'est pas vraiment cargoumé à un jeune garçon qui vient du village de Dieu, grand la ville, etc. Donc c'est pratiquement ça, et qui est capable de faire fatal, je veux dire, il y a des gens qui frappent n'importe Nations Unies, parce que vous voyez, pas qu'à faire rien.
Nous pas faire un sape. Voilà. On est venu au secours d'Haïti. Robinson d'Haïti, ou assurément plus expérimenté que moi. Et Gonti, il y a quelques années en plus, moi tout. De toute la vie où on vit l'actualité politique dans le pays d'Haïti, dans le monde là, parce que c'est un cosmopolite. On dit, est-ce que vous songez un côté ONU est passé, côté le côté résultat, côté que tu as gagné détresse, tu as gagné difficulté, tu as gagné guerre, tu as gagné. Et puis ONU passé, il résout ça? Bon, moi-même, et de mémoire, je n'ai pas songé vraiment si l'ONU est arrivé et fait ça au quotidien. Même qu'on est que le menait des missions de paix à travers le monde, que peut-être qu'il va jamais arriver faire correctement. C'est peut-être samedi que l'opinion publique, là, il y a d'être généralement que mission organisation des Nations Unies de toujours contribuer à renforcer le malheur du peuple, côté aller, et renforcer le malheur du peuple même. Mais il se trouve que, de toute manière, hein, les bagages à la main dans mes mains, les bagages malouk dans mes mains, eh bien, nous recourons à eux-mêmes pour nous demander au secours. Nous pensons qu'il y a un bagage peut-être capable de faire parce que, de toute manière, les diplomates-là, c'est pas un imbécile, c'est lié. Ils sont diplomates de formation. Je veux dire, s'ils frappent les portes des Nations Unies, nous pensons qu'il faut que nous accompagnions dans ce sens-là pour nous voir qui ça, les Nations Unies, capable de faire. Ce n'est pas l'appel par l'établi de façon permanente, etc. Mais je veux dire, ça nous font face carrée à l'obéissance qui existe là, d'essayer de tout le monde qui a dominé la rue, d'essayer de mounir violer, d'essayer de mounir tuer pour grand-messie à kidnapper, pour que nous jouions.